Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette seconde session d'entraînement avec moi. Donc, comme je vous rappelle, moi je suis David Mondio, je suis le directeur de la Fitness Academy. Je suis en compagnie de Marie qui est également mon épouse et qui sera le cobaye de la soirée. Je voulais aussi vous dire que la plupart des exercices d'aujourd'hui ont été inspirés par les élèves de la Fitness Academy qui seront diplômés en juin prochain. Et donc, je ne suis pas l'unique créateur de ces exercices aujourd'hui. On va donc maintenant commencer par un petit échauffement, step by step. Les exercices seront graduels. Je tâcherai de les adapter et de vous donner des explications en fonction de votre condition physique, bien entendu. Marie, on va commencer par un petit échauffement. On écarte, on va fléchir. Frapper la poitrine devant, fléchir, monter la poitrine, droite, gauche, tranquillement, c'est un échauffement. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et stop. Pointe des pieds, tranquillement, tout droit, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 10 petits sauts sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et stop. Ouvrir, fermer. Ouvrir, latéral, fermer. 1, 2, 3, 4, très bien. 5, 6, 7, 8, 9. Et stop. Et maintenant, toujours sur le côté des grands ronds. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On garde les jambes écartées et au lieu maintenant de monter à la poitrine, on va essayer de décoller la hanche pour frôler l'épaule. Ça va dégager beaucoup plus la hanche. On chauffe le tout. Montre-moi. Un, très bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les pieds dans cette position, on tire les mollets 5 fois. Vas-y, 1, très bien, 2, 3, on chauffe tous les mollets et stop. Et 5 petits sautés dans la même position. Pardon, 10. Hop, encore 3 et 1, 2 et stop. Très bien, on se détend, parfait. La machine commence à chauffer. Tout à l'heure, nous avions fait les élévations latérales, et bien maintenant, on fait devant. 1, 2, 3, 10 fois. 1, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, des grands ronds devant. 1, bien devant. 3, voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On recommence. Ce sera la dernière, encore une petite variante. La première fois, on était monté à la poitrine. La deuxième fois, on avait tâché de viser l'épaule. Maintenant, on frôle, on décolle la hanche. 1, 2, 3, tranquillement. 1, voilà. 3, 4, 5, 6, 7, très bien. 8, 9 et 10. Bien. On repart sur les mollets. Cette fois-ci, dans ce sens-ci, on va les étendre 5 fois. On y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 10 petits sauts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et stop.
deux mains sont aux oreilles. Ok. Et 1, 2, on s'étend. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le grand rond de la même manière. 1. Bien aller bien loin pour décoller tout ça qui est éteint, rouillé pour certains durant le confinement. Voilà. Et l'autre côté. Bien vers l'oreille. Voilà. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On respire. On va terminer l'échauffement en montant maintenant un peu la température. Et 1, 2, 20 fois. Go. 1, 2, 3. Oui, les bras où tu veux. Vous êtes libre. On est déconfiné. 20 fois. Et on pense à bien respirer, on expire, le cycle énergétique a besoin d'oxygène, vous bloquez la respiration, vous devenez tout rouge, et là c'est parti. On respire, attention, et A. Et tu peux jouer avec les mains. 3, 4, 5, voilà, 6, 7, 8, 9, encore 10, et A. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on respire le tout dernier et on sera certain d'être bien chaud, de bien avoir lubrifié toutes les articulations. 1, 2, 3, 4, 20 et petite pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 20. Parfait, on respire. Excellent. Comme je vous le dis, l'échauffement est quelque chose d'important. Hein. Vous lubrifiez les articulations qui ont un pouvoir de 50 fois supérieur à la glace, et nous produisons une petite huile qui permet de lubrifier encore davantage les articulations, qui nous permet beaucoup plus d'amplitude et bien entendu de moins facilement nous blesser. On va passer maintenant au premier exercice, step by step. Les deux mains sont au niveau des oreilles. Lorsque vous allez aller vers la gauche, ce sera la jambe gauche qui avancera. Lorsque vous irez sur la droite, la jambe droite s'avancera. Les mains sont aux oreilles. Je vais tâcher de mettre mon dos dans l'axe du plafond et m'étendre, retour. M'étendre, retour. Plus vous fléchissez, plus l'exercice est puissant. Si vous n'êtes pas en super forme, étendez-vous et fléchissez-moi la jambe. 1, 2, 5 à gauche, 5 à droite, en tout 10, Marie, à toi. Je te rappelle, si tu vas vers la gauche, à droite, pied droite. Et on est parti. 1, je m'étends, puis l'autre. 2, voilà. Il y a une tâche, continue, d'étendre son dos dans l'axe du plafond. Pas facile, hein? Oui, ça. Et on s'étend. Voilà. 5, très bien. 6, très bien. Voilà. Alors on assiste. 7, on revient. Très bien. On assiste. 8, très bien. Encore 2. 9. Et la dernière, et 10. Excellent. Très bien. Comme vous le savez, les pauses inactives, je n'aime pas. Donc, on va faire un exercice légèrement moins puissant qui va tenir votre courant, votre corps en mouvement. La dernière fois, je vous avais expliqué que le dos était quelque chose qui rouillait facilement. Je vous ai montré des exercices comme le I, le T, le W et le L. Eh bien, on va continuer dans cette lignée. Okay, par une variante qui va permettre de travailler également votre vocabulaire. Main droite, pied gauche. Je crois, je touche le côté du pied. Plus vous fléchissez, plus l'exercice est puissant. Je reviens. I. 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 On va en faire 15 à gauche et 15 à droite. Marie, donc si c'est la main droite, on va partir vers la gauche. 1,
J'inspire. Très bien. Voilà. Et c'est toute cette scapulaire bloquée, ce fameux dos. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Très bien. Je rentre et I. Je rentre et je. Voilà. Très bien. 3. Voilà. 4. 5. 6. 7. Les trois derniers. Et 1. 2. Et 3. Très bien. Deuxième exercice est semblable au premier. On va le corser. Vous allez sentir encore toute la partie des épaules et du dos particulièrement travaillée. Okay? Le mouvement, en fait, est double. Je m'étends une fois, je reviens et je m'étends une deuxième fois. 1, 1, 2, 1, 3. Et là, on va en faire également 10 répétitions à gauche, 10 répétitions à droite. 1, 1, très bien, 1 et 2, voilà, pensez à bien étendre ce doigt, ce dos, hop, voilà, excellent, voilà, tu sens que cette partie Marie, t'as plus l'air travailler, ouais. Voilà, un exercice qui est déjà du high level, hein. Très bien, tac, 5, très bien, tac, 6, parfait. Tac. 7. Tac. 8. Tac. 9. Et la toute dernière. Tac. Et 10. Bien. Très bien. De nombreux d'entre vous commencent à perler. Certains ont bien transpiré. C'est normal. Je pense que la plupart des gens se mettent à sourire. Vous savez que l'exercice physique produit des endorphines, ça rend heureux. Okay? Et c'est pour ça que la plupart des gens ils commencent à entraîner souris et ces fameuses hormones perdurent dans le sang plusieurs jours. Petite variante, tout à l'heure c'était le croisé I. Même chose, croisé T. J'entre, j'ouvre. 15 gauche, 15 droite, hop, et voilà. Toujours cette partie du dos qui est mise au travail. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, très bien. 8, 9, et 10, très bien. Oh, ici on en fait 10. Allez, ok. Et, et 1, restons sur 10 maintenant. Ça commence à monter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Troisième variante, je vais étendre, tirer les bras. Vous allez sentir toute la partie du dos travailler. Je m'étends, je tire bien. Je m'étends, je tire bien. On fait 10 en tout, donc il y aura 5 de chaque côté. On alterne si tu vas vers la gauche, jambe gauche devant, à droite, jambe droite devant. D'accord. Ok, je m'étends. Voilà, jusqu'en bas. Parfait. Je m'étends. Parfait. C'est un exercice qui paraît anodin et qui est extrêmement puissant. Voilà.
termine le mouvement et puis reviens. Voilà. Très bien, encore un gauche et un droite. Excellent. On respire. Ce mouvement pourrait bien entendu être exécuté avec des petits poids. Vous êtes à la maison, vous ne disposez pas ni d'élastique, ni de ballon. Eh bien, on travaille avec le poids du corps sans aucun problème. Deuxième série d'exercices. C'est très simple. Votre bras est fléchi, ici. Okay. Et vous allez simplement donner un coup de poing devant. Il y a un coup de poing à 45 degrés, mais vous le faites avec une fente. Gauche, tac, tac. Soyez violent. Fléchir, tac. Fléchir, tac, tac. Si vous avez les jambes fatiguées, fléchissez légèrement, n'allez pas jusqu'en bout. Marie, elle, a déjà un certain niveau. Je remonte. On frappe à droite, la jambe gauche devant, à ton mari. Un, un, devant, un. Tac, tac, voilà. Un, voilà, c'est ça. Et on se déchaîne. Voilà, on est déconfiné. Voilà. 1, 5. Voilà, tu peux fléchir, Marie. 1, 6. Très bien. 1, 7. 1, 8. 1, 9. Et 1, 10. Et on respire. Très bien. Ça chauffe ? Oui. Bien. Ça se voit. Ouais. Donc maintenant, jambe droite. Jambe gauche maintenant. Jambe droite et tu frappes à gauche. Tu as fait la jambe gauche, tu as frappé à droite. Donc maintenant, jambe droite. D'accord. 1, 1. Très bien. 1, 2. Très bien. Devant, incliné. Voilà. 1, 4. Voilà. Allez, on peut frapper. Hein. 1, 6. 1, 7. 1, 8. 1, 9. Et 1 et 10. Très bien. Voilà. Je sens que certains doivent peiner, mais prendre du plaisir. Nous allons encore faire une petite variante sur de petites récupérations actives. Tout à l'heure, nous étions partis croisés. Maintenant, nous allons partir sur le côté. On touche le côté du pied. Je reviens. W. Toujours un exercice qui va travailler votre scapulaire, l'élégance, la posture, importante pour vous mesdames et pour vous messieurs. Côté, côté, 15 droite, 15 gauche. On se dégage sur le côté, W. Hop, 1, hop, 2, voilà, W. 3, voilà, 4. Très bien. 5, 6, 7, 8, voilà. 9, encore 5, très bien. Et 1, 2, 3, 4 et 5, très bien. Le côté. Le côté, ça va, tu peux récupérer, hein? Ça va? Ça va. C'est bien. Hop, et 1, 2, très bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, et 1, 2, 3, 4, et 5. Et on respire. Je vais devoir allonger les explications. Bon, comme vous le savez, beaucoup de personal trainers, d'entraîneurs ont tendance à figer les corps. Je n'aime pas du tout ça. Un corps est fait pour tourner naturellement dans trois dimensions. Une hanche, un genou, une nuque, on est fait d'un nombre considérable d'articulations.
Je vais revenir sur le premier exercice que je vous avais montré tout à l'heure, qui était coup de poing, comme ça. Maintenant, je vais vous demander de le faire en 3D. Je fléchis à gauche, le tronc tourne devant, côté. On tourne avant de frapper. Je reviens. Gauche, on tourne à gauche. Et on revient. Vous allez sentir toute la partie des abducteurs se mettre à travailler de manière puissante. Okay? Donc, jambe gauche, une fois qu'on est dans la position, le tronc tourne, je vise le mur, je viens et je reviens. Toujours du même côté, on reste sur 10 répétitions. Ok. 1, 1. Très bien. Hop, on tourne. 1, 2. Très bien. 1, 3. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est tout ce corps continu qui se met à tourner. Voilà. 1, 5. Très bien. 1, 6. Tourne bien fort. 1, 7. Très bien, Marie. 1, 8. 1, 9. Et la dernière. 1 et 10. Très bien. C'est très bien. Super. Maintenant, on frappe à gauche, jambe droite. Le tronc tourne. Je reviens. Hop. Donc, on prépare son poing. Et on frappe. 1. Voilà. 2. 2. Voilà. Hop. Et 3. Voilà. Tourne bien le tronc. 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, voilà, 1, 9, et la dernière, 1, et stop, très bien. Il y a de grandes chances que vous soyez plus rigide d'un côté que de l'autre, c'est tout à fait normal. Nous avons tous des tensions, nous sommes un peu plus forts d'un côté que de l'autre, ok? Nous sommes ce que nous répétons. À force de faire ces mouvements, vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus d'amplitude. Je garde le corps en mouvement. Je vais faire le même mouvement que précédemment. Et au lieu de faire le W, je vais faire ce fameux drôle d'exercice qui est le L. Je frôle. L. Je vous le rappelle, quatre grands mouvements qui vont vous ouvrir sont le I, sont le T, sont le W et le L. Voici le dernier pour votre dos. Je frôle le pied. L. Le bras reste collé et la main s'ouvre. Je touche. Je touche. 15 droite, 15 gauche. À ton aise. Hop. Elle, en revenant, c'est ça. Mouvement qui paraît bizarre, revient. Et elle, très bien. Trois, très bien. Et vous allez voir que progressivement, Marie va aller toujours plus loin, naturellement. Cette scapulaire va, voilà. Voilà, ok, dynamique, on est parti. Six, très bien. Sept. Huit. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien. Par et 1. Je pars 2. 3. 4, 5, très bien, 6, 7, 8, on part sur 15, hein. 9, encore 5, et 1, 2, 3, 4, et 5, on respire. Très bien. Premier exercice que je vous ai montré précédemment.
devant 45 degrés. Deuxième exercice, la jambe gauche était devant, toujours avec le poing droit. À gauche, là. On frappait du même côté, là. Maintenant, on inverse. Jambe droite devant et on frappe à gauche. Le tronc se décolle indépendamment des hanches et revient. Dix gauche, dix droite. Comme je le rappelle, la jambe droite devant et on frappe à gauche. Devant, 45. Tranquille, et on essaie bien entendu de tourner le trou. Un corps tourne dans trois dimensions. C'est ce qui fait l'élégance de la personne. Donc, je vais guider. Le point est là. Ouais. Ça va être la jambe droite devant. Et un, un. Très bien, voilà. Un, deux, voilà. Pense à bien faire tourner. Voilà. Hop, quatre, voilà. Hop, quatre, très bien. Hop, on tourne, cinq, bien sûr. Un, six. Un, sept. Un, huit. Un, neuf. Un, encore cinq. Ah non, dix, neuf, onze, dix. Voilà, je sais ce que je fais. On dit la varice. Ok, donc maintenant, jambe gauche, et je vais frapper à droite. Le poing est là, prêt à frapper. Hop, 1, 1. 1, 2, voilà. 1, 3. 1, 4. 1, 5. 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, et 10. Très bien. Et on respire. Parfait. Donc, comme je vous dis, un corps tourne. Okay. Notez à ce niveau-là, parce que de nombreuses questions sont soulevées, notamment au niveau du stretching, d'accord, qui permet l'amplitude articulaire. Absolument. Okay. Par contre, l'amplitude articulaire peut être extrêmement bien travaillée aussi tout en participant au mouvement. Une hanche qui s'ouvre, qui revient, qui s'étire, et en plus, où un corps participe au mouvement. C'est une de mes techniques d'entraînement, ou des techniques d'entraînement, de l'entraînement dit fonctionnel. Ok, parfait. Troisième série d'exercices. Okay. Les bras sont là. Et l'exercice va être le suivant. 1, 2. Je vais croiser. Si vous n'êtes pas entraîné, fléchissez moins la hanche, mais croisez. Si vous êtes bien entraîné, ou assez en forme, ou pas encore trop fatigué, fléchissez cette hanche. Je monte. 1. 2, 3, je croise, 4. Vous allez sentir toute la partie arrière du dos, les jambes, les fessiers, les abducteurs, la nuque. Okay. Donc, tranquillement, le mouvement des bras, c'est une élévation avant. Et on va essayer surtout de croiser. Vas-y Marie, sauf pour les premiers. Okay. On alterne. 1, on revient et puis l'autre. Et voilà, c'est pas facile, hein. Ouais, on essaie d'aller le plus loin possible derrière. Voilà, un, voilà. Voilà. Trois, voilà, t'es parti. Quatre, ce mouvement il est parfait. Cinq, six, sept, huit, 9 et 10. Très bien. On réveille les corps. Hein? Okay? Certains mouvements où vous n'êtes pas habitué
à effectuer s'éteignent facilement, hein, même si on est en bonne condition physique. Bon. Maintenant, je vais vous montrer une position qui est une position de pompage. Okay. Idéalement, celle-ci. Si vous n'êtes pas en forme, vous n'avez pas suffisamment de conditions, gardez les genoux sur le sol. Et je vais demander à Marie ceci, de se mettre dans cette position pompage, le dos le plus droit possible, de tirer 1, 2, 3, 4, le long du corps. Tout simplement. Si vous sentez que vous n'avez pas assez de force au niveau de la sangle abdominale ou que votre dos vous fait mal, gardez les deux genoux par terre. Marie, prenez votre temps. On se positionne, le dos est le plus dans l'axe du plafond et Marie va tout simplement tirer. Hop, un bras et puis l'autre. 2, 3, 4, très bien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça suffit. On revient. Très bien. Excellent. Ok. Donc c'est un mouvement qui pour les gens qui sont habitués, ok, ont l'habitude de faire ça avec une poulie ou avec une haltère, qui est un mouvement bien entendu du dos. Ok. Toujours notre fameux mouvement relativement inconfortable qu'on va tâcher de faire maintenant, non pas avec une élévation avant, mais avec une élévation latérale. Soit 1, 2, 3, 4, 10 en tout. D'accord. 1, voilà. 2, très bien. 3, excellent. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Excellent. Deuxième variant, plus difficile. Je vous le rappelle, si vous sentez que cette position est inconfortable ou fait mal, gardez les deux genoux par terre. Maintenant, je vais demander à Marie non plus de tirer, mais d'ouvrir, en regardant sa main, de revenir, ouvrir. On en fait 10 en tout, comme tout à l'heure, tranquillement. Pourquoi regarder la main? Pour permettre au tronc de bouger et d'avoir davantage d'amplitude. Un, deux, très bien, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Excellent. Très bien. Premier exercice que je vous ai montré, élévation avant. Deuxième exercice, élévation latérale. Maintenant, je vais vous demander de mettre les mains au niveau des oreilles et de faire cette montée ici. Soit 1, étendez bien les bras. 2, prenez votre temps. 3, 4, 10. Tâchez de garder bien les mains au niveau des oreilles. Et essayez que les bras n'avancent pas trop vers l'avant et vous allez sentir tout ce dos tirer de manière très très puissante. Ok, tranquillement, au niveau des oreilles. Donc le mouvement c'est là et on va bien s'étendre et revenir bien au niveau des oreilles. Toujours avec cette petite forme croisée, on alterne droite-gauche. 1, voilà. 2, voilà, ouvre bien Marie. 3, bien revenir au niveau des oreilles, Marie. Voilà. 4, voilà. 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Très bien. Bon, ces exercices étaient déjà plus intenses que lors de notre dernière entrevue. Okay. Maintenant, on va passer au cool-down, vous avez bien bossé. Okay. Je vais donc demander à Marie de mettre les deux mains ici, d'étendre le bras, et lorsque vous êtes en haut, vous vous étirez. Veillez à garder les talons sur le sol, ne décollez pas. Je suis là, pas ça, mais je suis là et je décolle. 1, 2, 3, 10 en tout, gauche, droite, gauche, droite. Les deux mains au niveau des oreilles, Marie, on étend une, on tire, un, on revient, et puis l'autre. Et voilà. 2, voilà, bien revenir. 3, 4, très bien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On va refaire ce petit schéma. Maintenant, sur le côté là, lorsque je suis là, je tire. 1. Comme si je voulais décoller le bras, mes deux pieds restent sur le sol. 2. 3. 4. 10. Sur le côté. Là, je m'étends. 1. Très bien. Je m'étends. 2. 3. Excellent. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Le dernier exercice, et puis je vous laisse en paix pour votre soirée. Le premier était celui-ci. Le deuxième était de côté. Le troisième derrière. Gardez les deux pieds sur le sol. Vous passez derrière. Vous étendez. Vous passez derrière. Vous étendez. Waouh. Waouh. 10 fois. Étends, regarde ta main et tire. 1, très bien, l'autre côté, ici, bien derrière. 2, ah oui. 3, très bien. 4, 5, voilà, ici, ici, ici. 6, oui, oui, c'est puissant. 7, 8, 9. Ici, ici. Et très bien. Merci. Très bon entraînement. On remercie Marie. Je vous remercie de votre présence avec moi et avec Marie. Et aussi un tout grand merci aux élèves de la Fitness Academy qui seront diplômés en juin prochain et qui m'ont guidé dans la création de tous les exercices que je vous ai présentés aujourd'hui. Une très belle soirée et on se retrouve lundi à 19h en compagnie de Marie. Merci. Bonne soirée. Merci.